C'est nul, c'est nul, c'est nul. Ouais, si tu veux. Ouais, il y a une Valachie un peu indépendante, puis qui devrait pouvoir récupérer quand même des trucs. Le Saint-Empire a élu le Brandebourg, again. Ok. Donc non, en fait, pour répondre à ma propre question, on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Amélioration des relations, plus 15, efficacité de la course, moins 15. Non, efficacité de la course, plus 15, faut pas déconner. Toi, tu vas venir dans cette région-là du monde, parce qu'on va s'attaquer aux Ottomans maintenant, donc tu vas t'attaquer un petit peu. Et vous, vous allez venir ici aussi. Les transports, on verra ce qu'on en fait après, pour le moment, ça va être très important. La volte à Madrid et fin du siège d'Aix-la-Chapelle. Ok. Alors, Aix-la-Chapelle, tu t'en vas en nous donnant ton pognon et tes rêves. Merci. Au revoir. Voilà. Toi, tu vas aller dans cette direction. Et c'est qui ton général? C'est Hypnon. Hypnon. Ou Elsasser d'ailleurs, ça va très bien aussi. Ah, on va s'occuper de ça. Très bien. Toi, du coup, tu vas venir par ici. Je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Ok, très bien. Et puis, la guerre contre les Ottomans. Ok, y a-t-il une raison de la déclarer maintenant particulièrement? Le Yémen vient pas, c'est toujours ça de gagner. Et Jazz est pas loin de pas venir. Bon, enfin, Jazz, on s'en fout. La Transoxiane serait éventuellement intéressant, mais on peut pas vraiment. On a de la reconquête, on pourrait... Ouais, on va faire de la reconquête, je pense, hein, c'est quand même le plus simple. On veut quoi? Bagdad? Ouais, Bagdad, vas-y, lâche-moi Bagdad. Toi, tu veux pas venir, pourquoi? Tu ne dois pas 10 points de faveur. Ouais, bon, ça, je te fous. Du coup, on n'a pas de... quoi que ce soit. On y va gentiment. Ok, on peut ici y aller. Clauvergne. D'accord. Donc, toi, tu vas prendre Bagdad. C'est très bien. Où est-ce qu'on en est sur nos généraux? Ici, on n'a pas un général topissime. Ce serait bien d'avoir un bon, mais il faut faire gaffe. Ici, c'est Elsasser. Ici, c'est Hypnon. Mais Hypnon, il est Black Flag. Et puis après, on s'en fout. Donc, Hypnon ira très bien. Nickel. Et ici, on va aller commencer à faire des sièges, je dirais, par là. Et toi, tu vas aller soutenir un petit peu en venant par ici. Ici, on va s'occuper. Donc, Elsasser ici, Hypnon. Là-haut, c'est Pouf. Pouf, tu vas venir là. Voilà, Pouf Pastèque. Ici. Oui, oui. Vas-y. Et toi, tu vas venir ici. Ok, très bien. On a un autre libre, on bouffe tout là, oui, on prend tout ton argent aussi, de toute façon, t'es annexion totale, vas-y, très bien. Et puis, on légitime ces deux histoires aussi. 64 ducats par mois pour l'Auvergne. Ce bol. Ben, les Auvergnats, vous resterez un moment, vous resterez un moment protestant, hein, on est d'accord. On a 120 par mois quand même pour Londres, par exemple. C'est quand même bien violent, je trouve. Ok. Bon, fondamentalement, on l'a l'argent, on aurait pu continuer, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien faire le canal de Panama, donc. Pardon, de Suez. Donc autant aller dans cette direction-là. Ok, on va s'occuper de ça pour le moment. D'accord, d'accord. Ils ont quoi comme troupe en face de nous? Ouais. Ils ont des gens quand même. Ok. Alors, ici, tu vas aller là, et toi, tu vas aller plutôt là. On a d'autres rebelles qui vont venir, des Spartistes tunisiens, toujours. À Sirte, on est toujours en train de se battre contre, hein, cela dit, si je ne me trompe pas. Si je te dis d'arrêter... Ouais, t'arrives pas. Biskra, Wargla et Sirte, c'est toujours les mêmes endroits. Il n'y a pas vraiment moyen de moyenner. Sirte sera l'endroit où... Non, pas forcément. Biskra. Wargla. Bon, c'est toujours la même histoire. Allez, mettez-vous à Zoara pour le moment. La Valachie veut passer. Elle peut. Pourquoi elle est en guerre contre quelqu'un, la Valachie? Bien. C'est bien joué, les gars. Ok, d'accord. Bah, tu sais quoi? Je vais te laisser t'occuper de ça, alors. Je vais te laisser t'occuper de ça. Ça sera plus... Ce sera mieux pour toi. Nous, on va, on a pris normalement nos troupes, bon, nos vaisseaux sont là, dès que notre flotte arrive, on passe du côté du détroit, et ça ira nickel. Très bien.
Les techs, on peut les prendre. On n'est pas très très loin, 3 ans, mais on a toujours un petit peu trop, donc on va quand même regarder tout ça. Voilà. 750, c'est très bien. On peut mettre ça aussi un petit peu. 750. Voilà, 760, c'est très bien. Ok. Bagdad, on va tourner à l'Irak. Ok, l'Irak va s'occuper de tout ça, on va la laisser se débrouiller. Nous, on va aller dans cette direction-là. Bien que je pourrais aussi te donner un meilleur général, peut-être. Par exemple, te donner. Bon, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas prendre les Açores. Et pouf, tu vas aller t'occuper de la Transoxiane. Qui serait intéressant de sortir. Voilà, là on a notre armada qui arrive, conversion, très bien. Tu nous mènes lui et tu vas aller par ici pour qu'on puisse passer. On continue. Alors, on continue depuis le plus, mais où c'est des prix réglo. J'en sais rien. Bah, Sofia, on s'en fout un peu pour être honnête. Ok, donc on peut pas encore passer là, mais ça devrait pas trop trop tarder. On a chopé leur bateau. Vaisseau amiral des Ottomans coulé, voilà qui est dommage. J'aurais bien aimé un vaisseau amiral ottoman de plus, ça aurait été fun. Ok. Toi tu vas là, et toi tu vas ici. On a plein d'Ottomans qui se massent par ici, si vous voulez. Le siège ici est terminé. Victoire contre une flottille des Indes. On va aller assiéger ça là. Ici, vous divisez. Toi, tu te. Non, pas toi. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas toi non plus. C'est toi. Ok, vous serez 5 cette fois-ci pour une fois. Ouais, c'est un peu dangereux, mais on va quand même aller comme ça. Ok. Vous êtes passés les deux. Très bien. On va aller par ici maintenant. Toi, t'as du siège, non, t'as pas vraiment de siège, ok, très bien. Et toi, t'es en train d'arriver par ce côté-là, mais de toute façon, on aura les deux étapes du truc quand on le fera. Je sais pas combien de vaisseaux il y a. Si on regarde chez les Ottomans, combien de vaisseaux il y a? Ouais, pas énorme, mais il y en a un peu plus que ces 14 qui sont là. J'ai pas vu qu'il y avait du monde ici, pour aller s'en occuper. Qui est-ce qu'on a dans la guerre? Il y a Juran aussi, hein, qui va peut-être compter en termes de vaisseaux, c'est possible. Qu'est-ce qu'on veut des Ottomans fondamentalement? On veut déjà qu'ils nous donnent. Ça, c'est à l'Irak. C'est pas à l'Irak, mais on veut qu'ils nous donnent. Je pense qu'on va prendre tout ce qui est Machrek, donc tout ça. Si on regarde géographiquement. Donc jusque-là. Comme ça, on aura tout le Machrek. Donc, vous nous donnez. Ça. Mais en fait, on va pas faire ça comme ça. Vous donnez tout ce que vous pouvez donner à l'Irak. C'est aussi simple que ça. Bagdad. Ça, Dita, Kerbala, ça, ok. Ensuite, ça, c'est clair. Ça, c'est déjà assurément ce qu'on veut, sans hésiter une seconde. Ensuite, ben, je dirais, on va aller comme ça. Hein. On va leur laisser un petit peu de mer pour éventuellement les pirater. Ça fait peu hein, ce qu'on prend. J'imagine que c'est des provinces qui coûtent cher, mais c'est quand même un petit peu cheros, je trouve. Est-ce qu'il y a des autres gars qu'on pourrait relâcher? Je pense à l'Arménie notamment. Qu'est-ce qu'on doit prendre de ce côté? À côté du Sinaï, on doit pas prendre ça. Donc bon, c'est une province qui coûte rien, donc pour une raison de border gore, on peut la prendre éventuellement, mais là actuellement, ça serait un peu trop cher par rapport à tout ce qu'on doit prendre. Donc, mais à mon avis, il me semble qu'on doit pas. Hein. Non, on n'a pas besoin. C'est pas de notre faute le border gore, hein. Il faut que ça arrange avec les Mamelouks. Mais ce qu'on peut éventuellement faire, c'est libérer l'Arménie. Prendre Mouche. Juste regarder si on a besoin de prendre l'Arménie. Pas tout en tout cas. Van, oui, Mouche, mais c'est un peu tout. Qu'est-ce qui reste? Il y a peut-être des mecs là au milieu, ou j'en sais rien, par ici, hein, qui. Je sais pas si on peut relâcher quelqu'un par là. Ça n'a pas l'air. Hein. Trébizonde.
Mais c'est juste une province, Trébizonde, on est d'accord? Ouais. Alors que, ben, si on prend, j'en sais rien moi, Mouche, par exemple. Ça nous donne éventuellement ça, Evan. Mais je suis même pas sûr que la première soit dans région. Ouais, ça nous donne... si on prend Mouche, on peut relâcher l'Arménie, effectivement. Je pense que ça peut être pas mal. Ça ferait un vassal de trop, cela dit. Bon, on l'a déjà fait avant, puis les points, on les a, donc c'est pas un souci. Donc pourquoi pas reprendre Mouche. Donc ce qu'on peut faire, c'est lâcher, j'en sais rien ça, peu importe fondamentalement. Puis du coup, alors peut-être qu'on peut prendre ça, comme ça, ça fait plaisir. Puis on enlève un petit peu de Border Gore, même si ça c'est pas nécessaire. Mais ça veut dire quand même qu'il va falloir faire encore pas mal de guerres contre les Ottomans, on est déjà en 1728. Et puis surtout, il va falloir chaque fois attendre 15 ans. Vous me direz, on pourrait truce break au pire, hein, c'est pas grave, mais c'est pas top non plus. Mais en tout cas, on va aller vers quelque chose comme ça pour commencer. Ok, on a roulé sur des ottomans quelque part, ça me fait toujours plaisir. Pas de soucis avec ça. Là, on va aller là pour le moment. Ici, on est en train de bouffer cela là. Ok, développement économique, nice. Là. Tout ça, ça joue. Ici, sur Sinope. Si tu vas sur leur capitale, ça sert à rien, il y a déjà des autres qui sont en train de le faire. Va sur Rue d'Avendigar, du coup, et toi tu vas aller là-dessus, pas de soucis. Ok, ici on a du monde, c'est un peu la totale. Ouais, il faudrait qu'on se regroupe avec ce stack-là, en fait. Et puis après on ira s'en occuper, je pense. La confiance en autrui, maintien des états, moins 10%, très bien. On se fait attaquer ici, ouais, mais c'est rien, on s'en fout. Ouais, voilà. Ok, on occupe plein de trucs, c'est cool. Vous allez ici. Toi, tu vas ici. Ok, ici. On pourrait prendre quelqu'un avec du siège un petit peu. On a un là, ouais, non, mais en fait, bah lui, oui, ouais, lui éventuellement. Bon, tu vas aller sur Trébizonde plutôt, c'est bien. Pouf, t'as déjà pris ça, c'est bien, tu vas aller prendre ça maintenant. Ok. Et puis, ici, on se retrouve, on va aller par là, puis on se retrouve là. Enfin, en fait... Retrouvez-vous tous là. Plus simple. Toi, tu vas aller prendre ça. Toi. Là. Là, là. Là. Voilà. Très bien. Ok. Alors, je regarderai ce que c'est après, ça me dit rien. On a roulé sur des mecs, là, c'est pas exprès. On continue un petit peu. Ensuite, dénégation plausible. En temps de paix, conduire n'importe quelle forme d'attaque à l'encontre des navires de nos rivaux, que ce soit par le biais de représailles officielles, de guerres privées ou en couvrant secrètement les actes de piraterie, nous a été bien profitable. Oui, oui, je crois qu'on peut le dire. Cela peut malgré tout poser quelques soucis parfois, c'est vrai ? Ah bah tiens. L'une de nos opérations corsaires a été ainsi compromise, il y a peu. Les navires et leurs équipages ont été capturés, mais par chance, la lettre de Marc prouvant qu'ils travaillaient avec notre approbation a été perdue. Et donc notre preuve pour nous lier à eux. Je me demande à qui appartiennent ces pirates à l'accent italien. Je me demande s'ils ont un lien avec l'Italie pirate, la République pirate d'Italie. l'opinion de la Normandie change de moins 40. Ah bah oui, évidemment, parce qu'on pirate un nœud dans lequel ils sont, quoi. Dans lequel on est aussi, cela dit. Efficacité de la course, moins 20. Non, on peut baisser l'opinion de la Normandie, c'est pas grave. On peut d'ailleurs aller l'améliorer. Je pense que ça pose pas de problème, on a bien assez de gus. Pour que ça pose un réel problème. Fin du siège de Sinope. Tout ça, c'est très bien. Ici, on se divise encore. Un petit coup. Voilà. Voilà, on prend tout ça, c'est parfait, c'est génial. Et puis ici, on se remet ensemble. Bon, c'est pas un général exceptionnel, on pourrait peut-être prendre...
Ici, c'est qui? C'est Elsasser, ici. Voilà, ici, on prend Elsasser. Ce sera plus intéressant pour aller faire du combat là-bas. On a défoncé des bateaux. Voilà, on va aller du côté de Sinar. Fin du siège de Trebzonde. Très bien, parfait. Ok, encore une fois, un petit peu de carte de siege. Voilà. On peut continuer avec ça, pourquoi pas. On va écraser les mecs d'Aduran. Mais ils ont quand même pris le truc. Relou. Ok, Edjaz. Edjaz est full occupé. On va pouvoir sortir Edjaz sans souci. Non ? Vous êtes full occupé et vous voulez pas de paix blanche. What ? C'est absurde. Ah mais ils sont pas occupés par nous, ok, non, c'est dans une autre guerre, ok, autant pour moi. Bon, cela dit, je vous propose une paix blanche, hein. je vous demande pas de me donner du pognon, donc ça serait quand même plutôt astucieux de votre part, à mon avis, de vous occuper de ça. Toi, t'es en guerre contre la Transoxiane aussi? Non, t'es en guerre juste contre les Ottomans. Donc ça devrait pas être un problème. Ça va juste être un problème éventuellement pour nous, quand ils viendront nous saouler, mais c'est pas un souci trop drastique. Ok, ici on est déjà envoyé, ici vous allez vous relocaliser tous par ici. Ok, on a gagné, mais c'était quand même un peu compliqué. Bon, cela dit, ça devrait aller très très vite à voir. Fin du siège de Kesh. Très bien, ça marque en maintenant. Juste pour voir, Transoxiane. Toujours pas. Oui, j'ai vassalisé la Normandie, oui. Ils sont notre vassaux. Je suis pas forcément convaincu que ce soit le meilleur move. Mais bon. C'est vrai que ça nous coûtera tout ça de moins en points de mine à terme. Ok. Et toi, tu vas... Alors, qui est-ce qu'on va demander comme général? Bon, ben, celui-là, par exemple. Hypnon. Une fois que tu as fini ton siège ici... Je pense que tu iras par là-bas. On va aller à Erevan. Ici, on va aller là. Ici, on va aller par Erevan aussi. Ici, on se regroupe, on va aller par là. Ok, on peut... D'ailleurs, on le peut. Ici, tu vas aller par là pour le moment. Parce que vous allez où, vous, les mecs là, avec... Siège de Samarcande est terminé. Très bien, voilà, Boukhara maintenant. Je dois voir si on peut pas les sortir maintenant qu'on a leur capitale. Non, on peut pas, mais ça va pas trop tarder. Si tu prends encore Boukhara, ça va être assez rapide, je pense. Ok. On occupe le truc. Ici, on prend ça. C'est fait. On va là. C'est comme ça, rapidos. Ici, il y a des forts à aller chercher. T'es bon au siège, t'es pas bon au siège, toi. Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est que toi, okay, on va te mettre Hypnon, et toi, on va te mettre Elsasser, et tu vas aller chercher ce stack ici, merci. Les bateaux, on va les défoncer ici, c'est très très bien. Et on va prendre ça. Voilà, on revient ici. Ils sont en train de repartir. Direction là. Ok. Fin du siège de Boukhara. Très bien. Ok. La Transoxiane sort pour rien. Ça m'embête un petit peu. On doit pouvoir faire un peu mieux que ça. Vous allez où vous? Merve. Merve, c'est là. Ok, donc on va aussi aller à Merve. Il y en a un pour qui ça devrait pas bien se passer, ça devrait pas être nous a priori. On va aller chercher ceux-là là. Vous êtes en train de bouger? Non. Pour le moment, on va aller dans cette direction-là. Vous êtes par là. Ok. Vous regroupez là, j'en sais rien. Ici. Ok, on les a ratés les mecs. Ok. Combien? Vous avez 2 de manœuvre, on a 4. Terme, on va réussir à les avoir. Tu vas à Nietzsche. Voilà, là, on va réussir à les avoir. Ici, on les a eus déjà, c'est très très bien. C'est fort regrettable, production locale, ok. D'accord, un petit stack wipe ici, ça fait du bien.
Et puis vous allez revenir par ici, parce que je pense qu'il va être question gentiment de repartir dans cette direction. Ici, on a 9K troupes à tuer, donc on le fait. On peut sortir la Transoxiane. Bon, on va défoncer leurs troupes ici. Voilà, parfait. Ça devrait suffire, je pense. Et puis on peut mettre Elsasser. On peut aller éventuellement sur ce stack. Et on va aller dans cette direction générale. Voilà, et là peut-être que... alors, Edjaz, déjà, non. Bon, d'accord. Transoxiane. Ouais, on peut te sortir de ton alliance avec les Ottomans. Voilà. Et c'est tout. Mais ça nous suffit, comme ça, on n'a pas besoin de s'en occuper. Peut-être pas besoin, je sais pas. On verra. Pour le moment, en tout cas, on les sort. Très bien. Et Adjuran, on pourra pas avoir un moment, a priori. Il faudra peut-être aller s'occuper de ça aussi, d'ailleurs. Parce qu'on veut quand même un gros score de guerre des Ottomans, donc il faudra certainement s'occuper de ça. Vous occupez de ça, ben ça me va peu, oui. Vas-y, quoi. Et toi, tu vas dans cette direction générale. C'est très bien, pas grand-chose à dire de ce côté-là. Ici, on s'en occupe, on défonce des Ottomans, c'est fait. On peut aller chercher votre... ben là, hein, pourquoi pas. Ok, ici, on continue, vous allez où? Vous allez plus loin, ok. Très bien. Ici, mais c'est pas grave. On a pris ça, par contre, ça c'est bien. On va aller du côté d'Adjuran maintenant avec toi. 3 de siège, parfait. En termes de rebelles, c'est quoi l'idée? Toujours des Tunisiens. On peut pas les virer maintenant. Oui, on peut. Très bien. Les Anglais, ok. C'est où? Calais. Londres, je pense, on est d'accord ou bien. Ouais, ils vont venir à Londres, les mecs, c'est pas possible. C'est presque certain. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les transports ici. S'occuper de ça. Ici, vous pouvez aller là. Non, ça sert à rien. Là, vous pouvez aller. Ici, on a dit qu'on allait là, c'est juste. Très bien. Lol. Alors attends. Comme ça plutôt. Très bien. Puis toi tu vas du côté de là-bas. Ok. Particularistes ottomans occupent Erzincan. Ah, c'est embêtant, il y a des particularistes ottomans partout maintenant. Alors, bon, vous allez vous pointer là et là pour le moment. C'est très bien. Vous, je sais pas trop ce que vous pouvez aller faire, mais vous pouvez défoncer cela déjà. Après, sinon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Les Ottomans, ouais, vous êtes pas vraiment d'accord, on est d'accord. On n'est pas d'accord. Demande Arzak, pardon, sans occuper de province, de forteresse dans les environs. C'est quoi Arzak? Ça? C'est de ça que tu parles, parce qu'on a une forteresse là, si jamais. C'est peut-être là. Là, on va l'occuper d'Izi tout soudain, donc c'est pas un souci. Faudra certainement, par contre, s'occuper des... Je propose de vous reposer un petit peu. Faudra certainement aller s'occuper, par contre, des particularistes à terme. Parce que si on reprend ce qu'on leur demande, on leur demande pas ça, donc ça, ça joue. Mais quand même. Est-ce que sur ceux qu'on, sur les autres on peut genre sortir Edjaz? Toujours pas. Alors voyons voir. Ici on a un stack Elsasser, tu vas venir ici. Ah mais c'est Mamelouk pour le moment de toute façon. Bon les Mamelouks, vous les bouffez ou bien qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes à moins 99 ou plus 99 plutôt? Go, hein, go les bouffer. Ah, mais c'est l'Aledi qui est d'accord. L'Aledi est en train de défoncer le Yémen aussi, de manière générale, donc c'est pas très, très grave. Faites votre boulot, quoi. Sukhothaï a fait un truc, j'ai pas suivi. Alors, je suis allé dans le mauvais côté. Ok, très bien, c'est pas grave, on revient.
Eux, ils vont se mettre par là. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais on va aller les y chercher. Petit agent découvert, des particularistes occupent un truc. Et ça. Why? Ok, alors. Aldébaran, tu vas. Bon, on va faire ça comme ça. Bon, enfin, faites ça comme ça. Faire un gros stack avec Aldébaran pour aller s'occuper de ces séparatistes. Capture d'un vaisseau négrier. Ok. Bah voilà. Très bien. Quelques. Trucs intéressants, bientôt. Ok, on va défoncer ça. C'est bien. On a fait un siège. C'est lequel? C'est lui là. Ok. Du coup, maintenant, je peux vous demander le truc là. Oui. Très bien. Toi, t'as 3 de siège. Qu'est-ce que tu peux aller faire d'intéressant et d'intelligent? Toi, ce que tu peux déjà faire d'intéressant et d'intelligent, c'est aller là et là. Toi, pour le moment, bah, t'as pas grand-chose à faire qui soit vraiment très intelligent, si ce n'est tout ça. Ok, on continue avec notre siège ici. Tout va bien de ce côté-là. On a défoncé du particulariste. Voilà, voilà, voilà. On a défoncé encore du particulariste. Et on a nos vassaux qui font une grosse attaque, qui ont battu les Ottomans. Waouh. Impressionnant. Ou alors, impressionnant que les Ottomans soient si mauvais, je sais pas. Ok. Là, on les a battus encore une fois. On peut aller ici. Ok, capitale. Très bien. Et Jazz devrait cesser d'exister, si je puis me permettre. Je ne crois pas que ce soit toujours pas le cas. Ok, ici. Toujours. A priori, vous vous retrouvez par là. Vous allez faire quelque chose, j'en sais rien. 78%. Toujours pas. Pas trop tardé, cela dit. Ah, ben voilà ce que vous pouvez aller faire. Vous, vous irez vous occuper de cela. Toujours maxé sur les points, d'accord. On est en novembre. Alors les points diplo, je pense qu'on n'a pas besoin. Les points admin, on va cliquer deux fois. Enfin, les points admin et militaires, on va cliquer deux fois. Voilà. Siège par ici, on a cet aquatique de l'Ottoman, c'était... On n'en doutait pas trop. Soulèvement à Londres, effectivement, ça on l'avait plus ou moins anticipé. Alors, quel général je peux ressortir maintenant? Un des deux qui vient de défoncer tout ça ici, donc peut-être pas Pouf, Elsasser, je pense que c'est le mieux parce qu'il a moins de sièges, mais il est bon. Non, je peux pas en fait. D'accord, pourquoi? Si, je peux. Je peux ressortir Elsasser normalement. Qu'est-ce que tu chantes? Voilà, merci. Ok. Alors. Voilà, on peut prendre nos techs. On prend toutes nos techs. On ne pose pas de questions. Ok. Très bien, on a de meilleures unités. On va pas les toucher pour le moment. Bon, à part ça. Je sais pas en quelle année exactement on a commencé, mais il n'y a pas non plus 3000 ans qui se sont passés. Hein. Je pense qu'il y a 15 ans qu'on passait depuis le début de la partie, c'est pas mal. Donc on peut tout à fait imaginer que, effectivement, là on a une classe qui arrive à, qui va gentiment arriver à la retraite, je pense. Maintenant on doit prendre une doctrine de plus. Alors, moi j'aimerais bien à terme prendre naval et ou maritime, mais là il faut reconnaître que ce serait peut-être plus intéressant pour nous de prendre un truc comme ça, et je pense que religieux pour moi s'imposerait assez. Ouh ouais, parce que humaniste c'est pas possible. Donc on va devenir des pirates religieux, je vous propose. Je sais pas ce que vous en pensez.
Mais je pense que ça peut être pas mal de commencer à pouvoir un petit peu convertir nos provinces parce qu'on a des soucis de ce côté-là. Hein, on pourrait effectivement les. Ouais, c'est vrai qu'en fait, on est des pirates, on pourrait quand même être tolérants. Hein. Je dis pas pourquoi pas des doctrines humanistes, des pirates humanistes. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je trouverais presque. Ouais, je sais pas, l'un comme l'autre en fait, d'un point de vue roleplay. D'un point de vue gameplay, ça pourrait être intéressant de convertir, ça pourrait aussi être intéressant de récupérer 25% d'unités religieuses, sachant qu'on doit être à 80% déjà, donc. Peu moins, ouais, non, 25% passe. Ça me ferait passer qu'à 100, hein, donc c'est pas non plus énorme. Et puis ça nous éviterait aussi, humaniste, j'imagine, ces problèmes d'agitation dans un pays quand même extrêmement vaste, et qui va devenir encore plus vaste, ça pourrait être intéressant pour nous. Ok, je pars sur humaniste en tout cas, pour le moment. Unité religieuse plus 25%, on va attendre encore. Pourquoi pas, hein, des pirates humanistes. Des pirates religieux, c'est pas beaucoup plus logique, je dirais. C'est un peu ça le souci. On aurait pu faire ce qu'on pourrait aussi prendre. Hein. C'est novatrice, hein. C'est pas top maintenant, c'est clair. Mais bon. Des pirates novateurs. C'est vrai qu'on est déjà anti-esclavagiste. Ici, ici. Très bien. Bon, je pense qu'on va gentiment pouvoir sortir, non? Non. Non. Et ceux-là, là, oui. On peut aussi les sortir de leur alliance avec les Ottomans. Ça nous arrange. Et on peut leur demander un tout petit peu d'argent. Voilà. Et maintenant, on a 9% du coup de score de guerre contre les Ottomans. Très bien. Et puis, je pense qu'on devrait pouvoir construire le canal de Panama. Non, on n'a pas les 20 000. Mais ça ne saurait tarder. On va prendre ce première doctrine. C'était peut-être pas le truc à malin à faire maintenant que j'ai besoin de plein de points admin pour légitimer en fait. Ouais, c'était pas le truc à faire. C'était vraiment pas le truc à faire maintenant en tout cas. Bon bah tant pis. Un peu embêtant quand même, mais tant pis. Du coup, on va peut-être se focaliser en admin pour un petit moment. C'était le cas. On peut continuer de faire des trucs malins comme ça un petit moment. Ok, bref, tout ça, plus un peu d'argent, parce que raison. Voilà, 100% de score de guerre, 67 de ça, les Ottomans, les Mamelouks, on s'en tape. Très bien. Los. Ok, alors, on va relâcher l'Arménie. Voilà, on a une de trop, bien sûr. On pourrait virer notre alliance avec la Suède, comme d'hab. Ben c'est ça le débat rond, il y a un moment, faut pas déconner quoi. Et puis on va légitimer toutes ces histoires-là. Ça va nous coûter un peu cher, mais c'est pas grave, tout le reste on légitime. Ok, et le Mashrik, alors j'allais dire qu'on avait tout, mais non, on n'a pas tout. Hein, il nous faut quand même manger l'Irak avant. L'Irak qui ne nous sert plus à rien, mais qui aura bien servi quand même. Ok, faudrait se mettre à manger des gens, quand est-ce qu'on perd nos problèmes Pour le moment, on a toujours à annexer une dépendance, c'est le seul truc qu'on a. Quand est-ce qu'on le perd, lui? 1732. 4 mars 1732, ça pourrait être intéressant de regarder. Actuellement, qu'est-ce qu'on doit encore aller chercher pour notre mission? Qui est restaurer l'Empire romain? L'Anatolie, donc les Ottomans. Donc voilà, on a 15 ans de trêve, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Mashrek. Je pense que c'est bon, honnêtement. Je pense que ce sera bon quand on aura mangé l'Irak. Sinon, c'est les Ottomans. Et la France. La France, il y a la France et il y a la Lorraine. Qu'on n'a toujours pas bouffé. Et contre qui je pense qu'on n'a plus de trêve. Non. Donc ça pourrait être la prochaine étape. On revient de là, on s'en fout. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va en mettre un là, parce que je pense qu'il sera utile. Et 3-1 pour West Ham. Attaquer un allié hors SERG. Ils sont dans une ligue, donc ça doit être faisable. Augsbourg, Ulm et Württemberg, ce qui. Voilà. Saxe-Lauenburg. Dans cette ligue, il y a. Que des membres de l'Empire. Donc voilà. Effectivement, ça fait Augsbourg. Ulm,
Württemberg, Saxe-Lauenberg, Mayence, Memmingen, Ravensburg, Aix-la-Chapelle, Magdebourg. Et compte-moi, ça va faire venir, en plus de tout cela, ça va faire venir la Suède, Nitra et la Castille. Ça va être la guerre la plus dure qu'on va faire, je pense. Tout ça pour la Lorraine. Est-ce qu'il y a... Ah, pardon, pendant que j'y pense, juste s'occuper de ça ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant qu'on pourrait éventuellement faire? Ouais, il a bien géré en tout cas, ça c'est clair. Un truc qui pourrait être marrant, si vraiment c'était difficile pour nous, un truc qui pourrait être assez marrant, ce serait genre de leur donner une province. En leur donnant une province, ils peuvent plus être dans une ligue. Ou leur vendre une province. Je sais pas si c'est possible, hein. Je pense, je suis pas sûr que ce soit possible. On va voir. C'est quoi, action économique? On leur vendrait la Franche-Comté. Je sais pas si ça nous donnerait une trêve. Ils pourraient plus être dans le... Ils pourraient plus être dans leur ligue. Donc quand même, hein, ce serait Saxe-Lauenbourg, Mayence, Memmingen, Württemberg, Ravensburg, Aix-la-Chapelle et Magdebourg qui viendraient pas. Ça ferait venir en fait que Augsbourg, Ulm et Württemberg, plus l'empereur et ses alliés. Bon, vous me direz, c'est pas ça qui va faire la diff, mais ça pourrait être marrant. Puis on lui bouffe les deux, quoi. J'entends. Mais ça pourrait être drôle. Ok. On n'est plus dans une guerre, voilà qui est intéressant. On va changer nos troupes, plus de frontaliers. Je avoue que ça fait longtemps que je suis pas allé sur cette histoire. J'aime bien l'idée d'avoir beaucoup de feu offensif. Mais j'aime bien taper très très fort au moral aussi, ça peut être pas mal. Donc moi j'aurais tendance plutôt à prendre ce qui est offensif moral et ce qui est offensif feu, donc les frédéricains, là, frédériciens. Ce serait pas mal. On a encore des gens à changer, d'accord. Ouais bon, la cavalerie, on s'en fout, hein, excusez-moi. Là aussi on va être offensif et offensif moral, on va prendre les Uhlans. Uhlans, et puis voilà. Ok. Full time, full âme, c'est faire rouler dessus. Un peu déçu, mais en même temps, je vous avoue que je m'y attendais un petit peu. West Ham est une très très grosse équipe cette saison, pour ceux qui suivent le championnat anglais. Ok. Donc, vous autres, vous êtes là, c'est très bien. Vous allez revenir par ici. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller ici. Je pense qu'on va attendre quand même un petit moment avant de lancer cette bombe, bien que hein, c'est juste pour une province. Le problème, c'est que ce sera full annexion, donc de toute façon, il faudra vraiment sortir tout le monde. On va entrer dans une guerre qui sera fondamentalement que avec des Allemands. On va entrer à peu près en guerre contre tout l'Empire, en gros, pour faire simple. En plus de ces Allemands, il y aura la Suède. Mais en gros, c'est vraiment contre le Nord. Donc il faut qu'on se replace un petit peu. On aura des rebelles dans cette région. Je pense que deux, enfin un stack complet suffira amplement à gérer la situation. Donc vous allez ici, c'est bien. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Et on ira vous chercher de ce côté-là. Je pense. J'ai pas pensé à faire que la Valachie s'en sorte bien. Ils sont alliés à Nitra? Ouais, donc ils ont quand même 31 000 troupes là. Je suis pas sûr que les Ottomans puissent s'en sortir. Easy. Ok, ensuite, toi tu vas aller par ici. Toi tu vas aller par là. Ici, tu peux rester là, on va dire. Ça va nous faire quand même quelques petites troupes. Ici, vous êtes en train de revenir. Ouais, par ici, c'est très bien, Bisquet. Parfait. Merci Aldébaran, c'est cool. Oh, bon, sympa. Ouais, j'aime bien, c'est assez marrant. C'est assez marrant. C'est une équipe que je trouve sympa, honnêtement, Dynamo Dresden. On verra ce que ça donne dans l'avancement. Là, c'est une saison. La saison en Bundesliga est chaude. Elle est chaude.
Ok, alors, on a amélioré au max nos relations avec la Normandie, on peut en revenir, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement virer une alliance de la Lorraine, je me fais pas de soucis, mais le problème c'est que c'est pas ces alliances qui sont problématiques là.